Mon chien est dominant. Ah voilà un sujet qui fâche ou qui crée beaucoup de désaccords. Hier, j'ai une cliente au téléphone qui me parle de son malinois, un mâle de 6 ans, qui n'accepte qu'aucune personne rentre chez elle, qui se montre agressif. Alors, je l'interroge un petit peu sur les habitudes de vie, on discute un peu et elle me dit « bah c'est un dominant et c'est pour ça ». Alors c'est quelque chose que j'entends quasiment à chaque rendez-vous avec chaque client, cette idée que le chien est dominant. Et d'un autre côté, on va entendre que la dominance c'est faux, ça n'existe pas, il n'y a pas de relation de dominance ou de soumission, ou du moins qu'on ne doit pas s'y prendre comme ça. Alors qu'on l'accepte ou pas, dans toutes les espèces, chez l'humain aussi, il y a cette relation en quelque sorte de leadership, de dominance, de meneur, de suiveur. Qu'on l'appelle dominance, qu'on l'appelle être un leader, être un meneur, j'ai envie de vous dire, c'est plus la définition qu'on en fait qui va être importante. La réalité, c'est que chez le chien, les ressources sont importantes. Alors, qu'est-ce qu'une ressource? Une ressource pour votre chien, ça va être sa nourriture, ça va être son jeu, le territoire, les endroits où il dort. Vous êtes une ressource également, une ressource affective. Quand je fais comprendre à mon chien qu'il a accès gratuitement à toutes ses ressources, sans qu'il ait mon accord pour avoir accès à ces ressources-là, je risque de le rendre de plus en plus dominant, ou leader, ou meneur sur ses ressources. C'est-à-dire que mon chien va essayer de décider quand est-ce qu'il peut y avoir accès sans même me demander. Donc, vous imaginez un chien qui a le droit au canapé, qui passe avant moi au niveau des portes, un chien que je n'arrive pas à faire aller à sa place, à lui demander d'y rester, à le bloquer sur une position. Et là, un client me dit bah, j'arrive pas à faire rentrer des gens chez moi. Mais si déjà, dans ton quotidien, tu n'arrives pas à demander à ton chien de se canaliser, de rester en place, tu lui fais pas comprendre quand tu as le droit de manger, quand tu dois aller à ta place, quand tu as le droit de passer au niveau de cette porte, il est évident que quand il y a quelqu'un qui représente soit un intrus, soit une excitation, un inconnu qui rentre chez lui, forcément que là, il va vouloir te dire bah écoute, je décide dans le quotidien, c'est moi déjà qui décide. Donc là, il va insister. Sur un chien avec un tempérament, on va dire plutôt cool, on va avoir plus des comportements d'excitation, des comportements d'un chien qui n'arrive pas à se canaliser. Qui va passer par le carreau. Un chien ou une type de race fort caractère, bah on risque plus de partir sur des comportements agressifs ou assertifs. Ok. Donc mon chien est dominant au final, ça veut tout et rien dire, dominant par rapport à quoi? On va plus dire peut-être le chien cherche à être le leader dans le quotidien et que vous allez devoir commencer à lui payer un loyer dans pas longtemps si ça continue comme ça. Si vous rencontrez de telles difficultés avec votre chien, ne désespérez pas, on peut éduquer un chien à tout âge, mais il va falloir commencer par changer vos habitudes et vous former sur le comportement de votre chien. Pour cela, je vous propose un programme de formation personnalisé. Vous pouvez déjà commencer gratuitement à obtenir un e-book sur l'éducation du chien pour qu'il soit plus respectueux et mieux dans ses pattes. Je vous propose d'aller sur notre site www.respedogs.fr. Il vous suffit de rentrer votre adresse mail et vous recevrez gratuitement ce e-book et plein d'autres conseils et vidéos. Vous pouvez aussi suivre notre page Facebook, Instagram et vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt pour une nouvelle vidéo.